Et bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel unboxing de chez DAC en diamant rond, comme vous voyez, boîte rouge, symbole rond. Voilà, voilà. Alors, petite toile que j'ai commandée en même temps qu'une autre toile qui était en super solde. Donc voilà, mais comme je n'aime pas payer les frais de port, ça m'embêtait de payer une toile 25 euros et de me payer 17 euros de frais de port. Donc voilà. J'ai réussi à trouver une toile. Oh bah j'ai un ancien cookie, dis donc. Je pense pas qu'ils en avaient encore. Donc celle-ci aussi, toile en édition finale. L'ancien toolkit. Il y a les sachets zip, mais pas en sachet zip. Il y a les pains de cire, mais pas dans une petite boîte. Stylet bleu, petite mousse. Il n'y a qu'un seul multiplacer. Et c'est une toute petite barquette comme ça. Voilà. Donc les nouveaux sont quand même plus sympas vu qu'il y a le washi tape, le cover minder. La barquette est plus grande. Les stylets, bah, vous avez plusieurs couleurs possible et il y a deux multiplaceurs dans les nouveaux. Voilà. Et vous en avez déjà vu plein sur ma chaîne. Alors, c'est une toile d'une illustratrice que vous avez déjà vue sur ma chaîne. Je n'aime pas toutes les illustrations de cette dame, mais voilà, il y en a quelques-unes que j'aime beaucoup. Vous en avez même vu une chez Oralo. Alors, on va voir le bas. Alors, petit fascicule. Hop. Voilà. Alors, cette toile. C'est une toile d'Annaline qui a 37 couleurs. On a 2 AB normalement. Elle fait 55 par 77. Donc un diamant rond. Allez, je vous la montre, vous allez comprendre pourquoi elle me plaisait. Ah bah attendez, je vais vous montrer déjà les couleurs peut-être des diamants. Donc comme vous voyez, voilà, on voit déjà le AB bleu qui est là. Comme vous le voyez, quand même pas mal. Bon, il y a pas mal de teintes un peu orangées, saumonées, mais il y a quand même beaucoup de teintes de bleu, de violet. Bon, du noir, hein, mais ça, toutes les toiles d'Annaline. J'ai envie de dire, elles en ont, puisque les tours sont délimitées au noir. C'est ce qui permet aussi de faire ressortir vraiment les couleurs. Pardon. Du coup, voilà. Allez, je vous montre cette petite beauté. Oh, j'adore. Donc là, pour le coup, on est en gros plan. Cette toile s'appelle Sacha and Jet. Donc j'imagine Sacha et Jet, qui semble un petit peu logique. Et du coup, c'est un petit dragon. Donc là, comme vous voyez, là, sa chevelure. Comprenez pourquoi il y a autant de noir, tout ça c'est du noir là aussi. Et tout le trait de ses cheveux là, de ses yeux, c'est du noir. Donc voilà. On dirait une sirène en fait, non? Attendez. Ah oui, et j'avais même pas vu, c'est parce que là du coup elle est en gros plan, je vous montre l'image. J'avais même pas capté que c'était une sirène, regardez, là on voit sa queue. J'ai même pas vu sur l'image en fait, comme vraiment les personnages sont en très gros plan. J'avoue que j'ai pas fait attention à ce petit bout là, mais en fait c'est une sirène. C'est une sirène qui fait un câlin à un petit dragon. Moi j'adore. Puis dans le bleu. Voilà. Dragon et bleu, bon, forcément. Forcément, ça ne pouvait que me parler, j'ai envie de vous dire. J'ai envie de vous dire. Alors les symboles, les 1, c'est le E et le petit triangle. Et le petit triangle. Enfin, les trois triangles.
Le 1, il y en a un petit peu là. Il y a un petit point par-ci par-là, là, dans sa tête. Alors le E, il y en a un petit peu dans ses yeux. Il y en a là. Ah lui, il n'en a pas dans son oeil. Il va falloir que je regarde c'est quoi comme couleur. C'est du vert. Voilà, je pense que je mets du AB vert, hein, clairement. Clairement. Le E, il y en a un petit peu ici, dans ses cheveux. Un petit peu là. Ouais, il y en a dans ses yeux, il y a un petit peu dans ses cheveux. Autre symbole, il y en a un petit peu là, il y en a un petit peu là sur les côtés, dans sa queue. Ouais, dans sa queue de sirène, il y a beaucoup de E. Et même les petits triangles. Ouais, il y a beaucoup pour faire ressortir la brillance des écailles. Il y en a pas mal dans sa queue de sirène, du coup. C'est pas mal, pourquoi pas en mettre un petit peu peut-être ici dans son bijou, pourquoi pas à voir. Ça fait une belle taille quand même, hein. Je vous ai dit quoi comme dimension, 55 par 77 cm. C'est vrai que comme les personnages en gros plan, ça donne l'impression qu'elle est limite plus grande en fait, donc Mais par contre, j'ai que... Attendez. Je pense qu'ils ont dû être mis à part. Je me dis, j'ai que deux sachets de 310. Ça me paraît fou. Parce que là, il y a deux sachets ici. Mais... Ça, on est d'accord. Oui, c'est du 310. D'accord, je sais pas. Un, deux, du coup, il y en a trois, quatre, cinq, six, sept. Il y a 8 sachets de 310. Et du coup, les AB. Il y a celui-ci que je vous montrais tout à l'heure. Il est très très bon ce bleu. Ah oui, en fait, c'est deux bleus. D'accord. Et l'autre. Ici là. Un cœur est un foncé. Bah écoutez, franchement, je suis vraiment contente. Trop bien. Après, je me demande voilà, si je rajouterai pas, je verrai les couleurs. Mais si éventuellement je rajouterai pas un peu de AB sur le dragon, parce qu'à la base, bah, le dragon il est un peu écaillé aussi, parce que là. Ces petits bouts de narines qui sont plus clairs là. Je sais pas. Avoir peut-être ici un petit peu dans ses narines. Mais ouais, il a l'œil vert et orange. Donc peut-être rajouter quelques petits AB là-dedans. Voilà, mais je suis ravie. Je suis ravie de cette toile. Elle est très très belle. Vraiment très 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 belle. J'aime beaucoup. Et là c'est pareil, hein, on a quand même des très grands aplats de couleurs, hein, là tout son ventre, honnêtement, là tout le noir. Le seul confetti ça va être un petit peu ses cheveux et sa queue de sirène. Après il y a quand même des grands aplats de couleurs, donc franchement c'est des toiles qui sont quand même relativement bien, où on avance quand même relativement vite quoi. Et eh bien écoutez, je suis ravie, j'espère aussi que cette toile vous plaît. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi. Par contre le plastique il est un peu décalé. Un petit peu décalé. N'hésitez pas à me dire hein, si ça vous plaît, si vous aimez aussi le style d'Alanine ou pas. Si vous avez toutes ces toiles ou aucune, parce que ça ne vous plaît pas du tout. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Moi, je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Ciao !